c'est que il y a le vert dans le fruit. Il y a effectivement le vert dans le fruit. Et nous devons détruire le vert qui est dans le fruit. C'est la vraie décision. Détruire le vert qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le vert dans le fruit et nous devons détruire. Mais de voir, mon colonel. Bonjour, vous m'avez manqué, j'étais occupé là. Oui, mon colonel, je vous ai manqué parce que j'ai un frère qui s'appelle Matemba Tongi qui m'a appelé. Il a la présence là qui m'a appelé. Étant donné que je souffre pour les Français, c'est moi là. Oui. Il m'a appelé pour me demander de vous appeler. Donc, il me dit de vous appeler pour que on trouve intérêt d'entendre sur ça. Il savait que vous avez des places. Oui. Donc c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit la première. Je suis à Pointe-Noire. Je suis à Pointe-Noire. Tu travailles où à Pointe-Noire? Oui, je travaille à la marine à Pointe-Noire. Marine nationale. À la marine? Oui, à la marine nationale. Bon, est-ce que tu as l'argent? Parce que maintenant, heureusement que tu m'as appelé. Ça reste que deux noms là. On nous a dit de lister les noms des gens qui seront admis au test. Ça veut dire quoi? Les gens qu'on va maintenir. Même si tu n'as pas fait le test, en fait, c'est les noms. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et si cela va aller aujourd'hui au ministère de la Défense, ça revient chez nous demain et on va signer. Parce que d'ici là, il y a une promotion pour rentrer en cours. Oui, mon colonel, mais quand vous êtes à la déjoration, on peut gérer ça. On peut, comment les modalités de paiement, c'est quoi? C'est ce que je dis, normalement, tu ne peux pas d'abord te demander l'argent maintenant là. Mmh. Il y a une somme que tu dois donner aujourd'hui, moi, je te mets le nom, et tu me filmes ton dossier par WhatsApp, donc ta décision, forcément, plus loger ta vidangeuse. Maintenant, aujourd'hui là, est-ce que tu peux avoir 160 000? Parce que les 160 000 francs là, c'est pour le général. C'est des choses que moi, je ne peux pas vous dire, c'est pour le général Lébi. Vous le connaissez, non? Le patron de la CGRAS. Oui, le général Lébi, je le connais bien. Ouais, c'est pour le général Lébi. Donc, il nous a donné des cas. Il m'a dit au moins que. Là? Oui, oui. Parmi les 5 places, il ne reste que 2 places. C'est là où j'ai appelé mon petit, la 5 cousin moi. C'est moi qui l'ai appelé de me trouver quelqu'un. Donc, si tu as 160 000 francs, tu dois faire un dépôt par ce numéro. Si ton nom est prenant par message rapidement, parce qu'on va te faire en réunion pour vérifier qui a donné l'argent et qui n'a pas donné. Maintenant, le reste là. Mmh. Toi, tu passeras avec moi après ta formation de Makola. Est-ce que vous m'écoutez là? Oui, je vous écoute, Makola. Ouais. Ça veut dire quoi? Si tu donnes 60 000 francs, le nom va sortir. Tu vas à Makola après la formation de Makola. C'est là où toi, tu vas penser à moi. Vous êtes... Tout ce que tu m'as donné, je vais prendre. Que ce soit 500 000, que ce soit 10 millions, ça n'engage que toi. Si c'est un bœuf que vous allez m'acheter, ça n'engage que toi. C'est à vous de me dire est-ce que tu es prêt. Parce que je suis entendu. Il y a même le colonel Ndakibunga, vous le connaissez? Oui, Ndakibunga Emmanuel vient de m'appeler. Il a même son neveu depuis Brazzaville, il est même en route vers moi. Malgré son neveu m'appelle, il n'a pas l'argent, mais ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Donc c'est à toi de me dire qu'est-ce qu'on va faire. Je suis le promo du colonel Major Vinga Charles. Le 10e brigade, vous le connaissez? Oui, oui, je connais le colonel Vinga, comme brigade. Voilà, je ne peux pas te dire. Même lui, il a envoyé au moins 4 noms là. Mais les intéressés ont fait le test, hein, ont remis l'argent. Donc c'est à vous, tu dois être clair avec moi, est-ce que tu as l'argent? Oui, j'ai l'argent, mon colonel. J'ai l'argent, j'ai fini ici à le dégager. Les rapports, c'est à 13h45. Dès que je rentre chez moi, c'est moi qui va vous faire les... Mais ça va sortir, quel nom? Ouais, c'est mon prénom qui sort. Quand tu envoies l'argent, c'est mon prénom qui sort, Sylvain. Maintenant, si tu es convaincu, écris-moi déjà ton nom et prénom. Tu as vu des messages? Je vais activer le message après la conversation. Activez le message, écrivez-moi d'abord le nom correctement et prénom. Et vous me le poussez. Et en principe, avant 15h, il fallait envoyer l'argent.
À vos ordres, mon colonel. Je le fais tout de suite là. J'active d'abord les messages, je vous envoie. Et avant 15h, je vous envoie de l'argent. Je n'ai pas de problème d'appel. Ok, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Le colonel Vinga, je vais même jouer au volet là-bas de temps en temps. J'ai vu là-bas. Ah, mais c'est moi. On vient même de causer appel. C'est mon ami. On était à l'école militaire ensemble. Bon. À vos ordres, mon colonel. Ok, donc, attention, écris-moi le nom et prénom et tu vas à la maison pour faire le dépôt. Hein. À vos ordres, mon colonel. Ok, d'accord. Merci beaucoup. De rien.